c'est The Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve sur Resident Evil 2. Donc, Révolution. Donc, Révélation, pardon. Révolution. Hein. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Resident Evil. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Donc, alors, comme vous le voyez, je suis en pause. Vous allez me dire... Et t'es en pause, mais c'est pas l'air d'être clair. Non, ce n'est pas clair. En plus, je fais des jeux de mots. Putain. En fait, j'ai tourné pendant bien 40 minutes ma vidéo. Alors, voilà, je vous ai expliqué parce que j'ai eu un nouvel abonné, machin. Il m'a demandé comment je faisais mes vidéos, donc je lui ai répondu avec mon Overmedia, tout ça. Sauf que la vidéo s'est pas lancée, elle a bugué, elle a fait de la merde. Overmedia a fait de la merde pendant bien une bonne vingtaine de minutes. Et je sais, mais putain, mais comment ça se fait que ça marche pas, machin. Et en fait, le truc, c'est que ça a tourné pendant 5 minutes et la vidéo, elle fait écran noir en fait. Donc, on se retrouve là avec notre cher ami Barry et Natalia. Une petite enfant donc qui est infectée avec un bracelet rouge, donc elle est en train de s'infecter et on rejoint Claire et Marie. Voilà, j'ai passé, alors je vais vous expliquer vite fait. On était allé dans la salle des commandes pour réactiver quelques portes pour avoir voilà, la possibilité de sortir. Donc on a pu passer par là où Claire et Marie sont sorties. La petite Natalia là peut s'accroupir, peut balancer des pierres, mais putain, c'est une dure à cuire la gamine. Hein. Franchement, elle a beau être affectée, ce serait vraiment... Bah, moi franchement, je l'apprécie cette gamine. Bon, le Barry, voilà, il a un python dans les mains, il a un samouraï aigle et une bonne AK pour faire bien mal. Donc, on retrouve Claire et puis machin. J'espère pas que la vidéo fera que 5 minutes parce que ce serait vraiment dommage. Mais ça m'étonnerait parce que là où je vais, j'ai l'impression qu'il y a une série, tout ça. Donc, en plus de ça, on est dehors, donc ça changera un peu de l'intérieur. Donc comme vous le voyez, son bracelet là, en plus de ça, on voit bien, son bracelet est rouge. Donc j'espère pas que ça va nous surprendre. Il y a quelque chose. Alors, ah oui, et grosse, il y a quelque chose, mais on voit rien. Le truc avec elle, c'est qu'en fait, elle peut s'accroupir, donc elle peut passer dans des endroits que nous, on ne peut pas passer. Et elle voit les monstres, donc elle voit les, on va dire, les zombies, les infectés. Ah oui, j'ai pas dit, hein, mais interdit de moins de 18 ans. Hein. Chut, ne bouge pas. Je sens mal, je sens vraiment mal. Ça doit être un boss. Et il a buté un autre, un de ses congénères, j'imagine. Alors est-ce qu'elle le voit? Elle le voit pas. Ça me fout un peu les... C'est quoi ?
j'ai vu quelque chose. Elle me fait flipper, la gamine, elle me fait flipper. C'est où le machin? Je suis en train de flipper! C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. Cette île est complètement folle. Je ne sais pas, ma puce. Restons prudents au cas où il y en aurait d'autres. Donc il faut viser la verrue qu'ils ont sur les bras ou sur le pied. Par contre, il y en a plusieurs. Il a rien vu. Pas de commentaires. The Phoenix n'a pas de couilles. Si si j'en ai, mais là je sais même pas où il faut. S'il se planque dans les arbres, c'est impeccable. Ah, un coffre pour toi. Ah,
Ah ok, d'accord, j'ai compris. Je demande le peuple. Je cherche des herbes et puis tout ça machin. Et l'autre enfin, il me donne un rubis. Clairière. Attends. Fais le tour ou... Je vais garder le petit là. Parce qu'il est beaucoup plus stable que le... Que le gros. Bon, bah apparemment vous avez un peu plus. Je suis pas confiant. Franchement, je suis pas confiant. C'est taré, m'ont tout l'air d'avoir les mêmes symptômes que l'Uroboros. Robot. C'est un virus très dangereux. Des gens très méchants l'ont utilisé en Afrique il y a des années. La question est, comment est-il arrivé là? Bon, je vous laisse lire. Je peux sûrement briser ce verrou.
Maintenant, c'est du sérieux. Alors, est-ce que avec une plante, avec une autre plante, ah, il faut peut-être une plante verte et puis une autre. La tour est droite devant nous. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être une zone à boss là. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais. Ça a l'air d'être une zone bien, mais bien pourrie en fait. Bon. On va devoir défoncer ce portail. Cette grue est en état de marche, je dois pouvoir détruire le portail. Où est l'alimentation ? Non, non, non. Maintenant.
Maintenant, c'est du sérieux. Ils nous mettent dehors, mais... La tour est droit devant nous. On va devoir défoncer ce portail. Ça devrait faire fonctionner la grue. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller chercher deux bonnes femmes? Des verrous, hein? Allez, dépêche-toi. D'accord. Tu vas bien?
dire qu'on a pris le chemin le plus court. C'est elle. C'est mon bébé. Est-ce que ça marche, Moira? Non! Cette merde doit être criée! C'est Moira, c'est pas Marie! Du mari! Ah, bon. Dans ce cas, allons au Vossec! Putain de technologie! Je te le fais pas dire. Ça a été enregistré il y a 6 mois. Putain, Moira! Ta fille s'appelle Moira. Ouais. Pourquoi ? Hé, gamine, ça va ? Moira. Elle est morte. Quoi ? Ça fait 6 mois. Oh, ça fait 6 mois ! Vous voulez dire qu'en fait, c'était un message d'appel? Alors, je comprends plus rien, on aurait dû tomber sur Claire en temps normal. Prochainement dans Révélation 2. Moira essayait de rejoindre cette tour quand j'étais avec elle. J'ai besoin que tu m'y conduises. Est-ce que tu peux le faire? Mais si on a été infecté par quelque chose? Je vais vous rattraper! Est-ce que c'est là? Le Vacite ou je sais pas quoi? N'aie pas peur. Alors tu es venu finalement, je savais. Pour séparer de cette merde! Mais ouais, tu pourras quitter la suite. Je m'en doutais. Donc les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Bon, bah, il y aura une partie où vous n'aurez pas vu, je suis vraiment désolé. Bon, pour ceux qui ont le jeu, bah, vous l'aurez, vous savez, probablement, compilation, next épisode, compilation. Donc ça faisait 6 mois qu'ils étaient sur cette île, ils avaient disparu, bah, entre le message et le... Donc, pas mal de temps en fait. Qu'ils étaient disparus, qui... Alors donc, est-ce qu'on va retrouver Claire ou pas? Je verrai, moi je sais pas si je reprendrai le jeu complet ou pas. Parce que moi les Resident Evil, je voudrais bien avoir le 2, mais celui avec, avec le flic, je sais plus comment c'est, mais bon, déjà pas un youtubeur en fait. Mais c'est vrai que Resident Evil, c'est l'un des jeux où j'aurais bien voulu faire mon common pack. Essayer de trouver les trucs à ma façon, il y a déjà pas mal de youtubeurs qui le font. Mais ouais, c'est accrochant, c'est délirant, c'est très... Faut avoir les nerfs à bloc et comme ça il est 8-18. Donc on a fait une vidéo de près de 30 minutes. Ouais, c'est avec le générique, franchement, ouais. Mais c'est vrai que la fin là, quand vous la faites pas complet, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est vrai que quand on regarde les fiches à droite à gauche, déjà qu'on apprend que les bracelets sont des indicateurs de transformation. Donc quand on voit que les trois premières catégories ça peut aller, mais en rouge c'est une transformation. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que la gamine est en rouge, elle ne se transforme pas. Est-ce qu'elle est déjà infectée ou est-ce que voilà, est-ce qu'elle a réussi à se protéger de tout ça par des moyens X du jeu, tout ça. Faut que je vois ici. Je vais voir si je prends le jeu complètement ou pas. De toute façon là, on va se remettre au jeu habituel, donc Fortnite et tout ça. Cet après-midi, moi je vais chercher le Season Pass pour Fortnite, comme ça on va avoir pas mal de Fortnite. Alors aujourd'hui il y
tard pas de Fortnite. Et normalement jeudi vous aurez du Fortnite. On va reprendre les vidéos habituelles. Vous aurez voilà, 2 vidéos par jour. Le samedi vous aurez peut-être une vidéo. Je préparerai les vidéos pour qu'elles soient préparées. Et ouais. À la prochaine les gens, c'est The Phoenix. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vrai que voilà, vous n'aurez pas. Il y a un morceau où vous n'aurez pas vu la partie.